Bonjour, c'est Pif. La tour des rois sont des combats à faire régulièrement. Tu grimpes les étages au fur et à mesure de ta progression. C'est un bon système pour analyser sur quoi tu bloques. On passe à la pratique pour les détails. On commence par se mettre à niveau. J'ai 2700 diamants à utiliser. 5 verts, 5 bleus. Bof. L'étape suivante est l'ascension pour essayer de regrouper nos héros. Mais on n'a pas assez pour modifier notre équipe. On récupère nos bonus quotidiens. On gagne en élite pour le troisième jour du jeu. On va bien sûr basculer ce que l'on a pour Hogan rare vers Hogan élite. Donc j'augmente un peu tout ce que je peux, l'équipement, les héros. Donc je récupère tout ce que a Hogan rare. Je monte en level rapidement, je maintiens appuyé pour monter en level rapidement au Hogan Elite. Et on l'équipe avec ce qu'il avait. J'ai encore quelques diamants à récupérer. Et on va tenter ce combat où j'avais bloqué précédemment. Bon, là, clairement, on se fait défoncer. Il me reste plus que Nemora, c'est pas la peine de continuer. Donc, on passe à la tour du roi. Il faut déjà se mettre à peu près au même niveau. Mes héros sont au niveau 34 ou 35 et en face ils sont au niveau 16. On va donc faire rapidement ce combat très facile. L'étage 3. À chaque étage, nos adversaires augmentent de 1 niveau. Faire attention à la couleur de la catégorie, pour l'instant ils ne sont que rares ou rares plus. On passe rapidement les étages, on est déjà à l'étage 6. Bon, j'aime bien accélérer. Déjà, on sent que les combats sont un peu plus longs, mais cela reste encore facile.
On arrive à l'étage 10. Donc là, on va déjà utiliser ce qu'on a récolté, les points, les équipements. Bon, les équipements ne doivent pas y avoir grand chose, mais on a eu de l'or, ce qui permet d'améliorer l'équipement que l'on avait déjà. Je rappelle qu'on ne peut améliorer qu'à partir des bleus. Donc les marrons et les verts, c'est impossible à améliorer. C'est ce qui sert de food pour améliorer. Bon, le 10, on le passe facile. On a à la suite un bonus de campagne, mais on le récupérera plus tard. Voilà, c'est indiqué. L'étage 11. Il y a plusieurs différences qui vont faire que cela bloquera ou que cela passera à un étage beaucoup plus élevé. Les points de vos adversaires seront plus élevés que les vôtres. La catégorie de vos adversaires est plus élevée, par exemple, vos personnages sont élites et vous avez des légendaires en face. Cela peut être un problème d'équipement aussi, pensez à évoluer le vôtre régulièrement. Une différence de faction, vous irez plus loin en alignant un maximum de héros contraires à la faction dominante de vos adversaires. Jouez sur ce bonus supplémentaire de la faction, n'oubliez pas qu'il est en fonction du nombre de héros. Parfois, il suffit de changer le placement des héros pour passer. La raison peut être la faction en plaçant un lumière face à une brute par exemple, mais aussi en fonction de la ligne arrière. Suivant leur placement, les héros arrière vont attaquer un personnage différent et cela suffit à faire la différence. Je pense qu'on va arrêter au niveau 20. On a encore un niveau supérieur à eux. On a aussi un équipement supérieur à eux. Et on a aussi des héros qui sont supérieurs puisque nous, on a déjà 3 élites. Donc là, avec une équipe comme ça, je dois pouvoir monter à peu près jusqu'au niveau 25-30. Bien sûr, à chaque fois on gagne de la poussière qui va nous permettre d'améliorer après encore nos héros. À la tour de roi, on gagne aussi beaucoup de pierres d'âme, des bleus principalement. Donc là, sur les 20, à chaque fois on en a 5, ça devrait nous en faire 60. Et on a des violettes, je crois, tous les paliers 10, 20, 30. Voilà, donc on a notre récompense de l'étage 10,
notre récompense de l'état juin et on a aussi les pierres d'âme bleues qui nous donnent un héros. On améliore nos héros. Alors au début, j'essaie d'améliorer équitablement, c'est-à-dire tout s'est passé d'un niveau, parce que la différence est importante au début. Après, on peut monter au palier. On voit que le combat se déroule quand même un peu mieux que tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant. On a le Hoggy qui fait vraiment mal. Et ça peut passer. Il manquait vraiment pas grand chose. Mais en insistant un peu, ça devrait le faire. Nous nous arrêtons ici pour cette vidéo. Je vous dis bon jeu et à bientôt.